qui a déjà envoyé des nudes à une abonnée. C'est pas des nudes, j'ai envoyé des trucs Google. Qui est déjà sorti avec une youtubeuse. Allez, vous levez la main les gars. Oh non, pas ça. Ok YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un qui de nous a déjà fait quelque chose. Ok les gars? Pour cette vidéo, mettez-moi un max sur le pouce bleu. Abonnez-vous sur la description. Je compte vraiment sur vous. Pour cette vidéo, il y a Tafir. Ouais. Geekmap. Ouais. Abdel. Ouais. Prince. Ouais. Salut Prince. Ouais. C'est la première fois que tu es sur ma chaîne, Prince. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois, c'est un peu bizarre. Comment tu vas? Ça fait plaisir. C'est vrai? Bizarre en même temps. Ok. Et ensuite, nous avons le grand Marseillais, le plus unique, tout ce que vous voulez. Ouais. Les cachoutes. Vous êtes prêts? Ouais. Les filles qui sont derrière la caméra vont nous dire des questions. Okay. Vous jurez maintenant, vous levez la main, que c'est l'unique et la vraie vérité. C'est l'unique et la vraie vérité. Voilà, j'ai que la vérité, rien que la vérité et que la vérité. Irisha, ma gauche, va nous pousser un par un. Ok, vous êtes prêts? Okay. Let's go, Yasmine, on t'écoute. Alors, première question. Qui est déjà sorti avec une youtubeuse? Allez, vous levez la main, les gars. Oh non, pas ça. Prince? Ouais. C'est tout? Benjamin, on n'a pas besoin d'explication. Hop! Si c'est pas mouillé la nuque. Et la mère du youtubeuse. C'est vrai? Non. Ah, j'ai peur. Allez, Prince, tu peux revenir. Ça va? Ah ouais. Elle est bonne, non? Ouais, allez, stop. Tu peux nous dire avec qui? Avec Romy. Ah ok, ça m'intéresse pas quoi. Non. Ensuite Yasmine, on t'écoute. Qui a eu le plus gros placement de produits? Tu commences. Avec TikTok, 8 000. 12. 12 000. Moi avec Bigo Live, 8 000. 12 000. Moi 7 000. 6. C'est parti, question suivante. Yasmine, on t'écoute. Qui a déjà menti à ses abonnés? J'ai jamais menti à mes abonnés. J'ai jamais menti à mes abonnés. C'est des mythos. C'est le pire. Voilà, c'est le pire. Non. Il n'y a même pas de justification dans cette vidéo en fait. Bah, on a déjà tous menti une fois ou deux. Gentiment. Mais pas menti genre un truc de ouf. Hein. Prochaine question. Qui est sorti avec une abonnée? Oui, ça l'aime. Allez, on va tous les prochains abonnés. Une abonnée, ça veut dire. On l'a même pas poussé. Sorti ou juste passer du bon temps? J'espère passer du bon temps quoi aussi. Oh, moi jamais. T'as jamais répété. Attendez. Lui, la mère d'une abonnée, lui. Ça compte pas. Ça compte les mères. Surtout que vous êtes des mythos. Toi, tu sors avec une abonnée. Et toi? Bah non. Ils sont pas grave. J'ai pas d'abonnée, c'est ça, moi. T'es abonné à lui? Bah bon, elle est même pas abonnée, moi. Oh putain, mais merde. Non, il a jamais. Ça fait trois fois la putain de tarasse. J'ai jamais eu la mère d'une abonnée, hein. Faut pas croire que elle est tout majeure. Ah ouais. C'est important de le préciser, ça. Question suivante. Qui a déjà frappé un abonné? Abdel, moi à la feria, on s'est battu. Quoi? Abdel. Ils ont cherché un. Bon, on est tous clean. La bagarre, c'est pas bon. Attendez, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi j'étais en feria à Nîmes, un peu alcoolisé et tout, et un groupe d'abonnés qui a chauffé mes potes, et je suis arrivé en tâche, tout le monde. Voilà. Okay. À toi. Moi, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de provoques sur le réseau, il avait reçu des amis et tout. Et de base, c'était un abonné avec qui je m'entendais super bien et tout, c'était un bon poteau et tout. Et il m'a menacé, il a fait le malin sur internet, tout ça. On s'est vu et. Ok. J'ai pas vraiment tapé, mais. J'ai tapé un peu. J'ai fait comprendre que voilà. Il y a eu aussi la balette laser, ça j'avais oublié. Question suivante, c'est bien. C'est dans le même thème. Déjà battu avec un youtubeur. Ah, je suis bien jamais. Pourquoi toujours moi? Toujours le mec. C'est bon, non? Non. Ah ouais. Du coup, pourquoi avec qui? C'était un youtubeur que j'ai failli taper parce qu'il a fait des trucs pas très bien. Et il y a eu l'autre youtubeur qui avait fait des trucs sur GTA, trucs de ouf. Ouais. Ok, ouais. On dit pas les bases, c'est pourri quoi. Ouais, ok, question suivante. Qui s'est déjà pris un refoul par rapport à un autre youtubeur? Un refoul, genre un feat? Ouais. Un feat de youtubeur connu, un refoul. Ça fait. Ça fait, ok. Au début. Attends, ils vont gérer avec qui hein? Ah oui, non, j'ai dit pourquoi. Non, vas-y, saute. Non, moi j'ai jamais dit, en plein vide, on m'a jamais dit non. Tout le monde veut faire des feats avec moi. C'est moi, je dis non. Ok, question de presse maintenant. J'ai vu Squeezie, il m'a fait la bise. Le lendemain, j'ai envoyé un message sur Twitter. Bon, il m'aimait bien parce qu'il m'avait envoyé son livre dédicacé. Et je lui ai dit, ouais, c'est très bien. J'avais mis des vidéos, une apparition de 30 secondes, il m'a lâché un livre. Merci Squeezie. À toi, Abdel. Bah, moi, c'était une petite Tarlos que tu connais bien, Révo. Ah ouais? J'aimais beaucoup ces petites vidéos GTA avant. Elle avait proposé de faire un truc, bah, il m'avait lâché une vue. Du coup, récemment, il m'a fait une proposition aussi. Je l'habite toi. Et je lui ai lâché une vue aussi. J'avais 30 000 abonnés et j'ai envoyé un message privé à Squeezie, il a jamais répondu. Et toi, c'est pire du coup parce qu'il a même pas vu. Tafir? Moi, j'ai envoyé à l'équipe de prison. Et ils sont battus les couilles. Bah, je crois même pas qu'ils ont vu. Hein. Allez, question suivante. Qui a gagné le plus d'argent ce mois-ci? Moi, avec OP, tout ça, ouais, je crois que je suis vers 9 000 comme ça. Non, moi, je suis largement en dessous. Voilà. Ok. Pourquoi t'as l'impression que tu mens, Prince? Regarde, sur la vie de ma mère qui est sur ton téléphone, YouTube. Moi, avec YouTube, je suis à peu près à 2000 parce que j'ai 2006 000 vidéos. Placement, 9 000. T'en as combien? 10 000. 10 000 à peu près. 11 000. Ouais. Moi, je suis à peu plus de 15 000.
emplacement. 4000. 8000. Abdel, 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 ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Bref, question suivante, Yasmina. Qui est le youtubeur le plus cancer? Ah, 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 ah. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. J'ai pas le cancer, ah, ouais. Moi je suis pas cancer, ah, Edithia, entre nous, je suis pas un cancer. Mais non, ça va pas. Mais non, je suis pas. Alors, moi, tous cancer. Prochaine question. Qui a déjà envoyé des nudes à une abonnée? Pourquoi moi? Oh, Guillemap. Comment alors, ça? Attends, c'est pas des nudes, j'ai envoyé des trucs Google, 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 Google. Alors je précise pour Geekmap, il avait 15 ans. J'avais 15 ans, c'était même pas des nudes à moi, genre. J'avais pas jamais. Voilà, Dim. J'avais pas une abonnée de ma vie, moi. Le Fika, il dit ça juste parce que. Non, rien. Qui a déjà plagié une vidéo d'un youtubeur? Tout le monde saute. Ah, tout le monde saute, toi, attends, d'abord. En cœur, en cœur. Honneur, honneur aux dames. Eh, mais toi, t'as jamais rien fait, toi, espèce de sale pute. Je saute, saute, ta fille, saute. Saute, dis pas, moi, moi, saute, saute. C'est vous qui plagiez. Les Américains vous saluent. Ok, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu mords. Merci, les gars, c'est bon. Mais non, laisse la famille, n'oubliez pas pour la vidéo d'idéal le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et aussi la petite cloche de notification et les chaînes de mes amis seront en description. Allez, ciao. Ciao.